rasage et anesthésie de la zone donneuse. La zone donneuse sera rasée et après cela, nous anesthésions la zone avec un dispositif d'imprégnation spécialement développé qui n'apporte les anesthésiques que superficiellement dans la peau et qui n'est bien sûr pas douloureux du tout. Les follicules pileux sont les petits sacs qui contiennent les racines des cheveux, les cellules souches. Normalement, les follicules sont répartis dans la peau en groupes de 2 à 4 follicules appelés unités folliculaires. Kingo a montré dans ses études que seule une très petite partie du follicule, qui contient plusieurs cellules souches, est nécessaire pour produire un nouveau cheveu. Nous utilisons cette découverte dans notre nouvelle technique de greffe HST. Seules de très petites parties du tissu folliculaire contenant des cellules souches sont utilisées. Celles-ci seront extraites une par une avec une aiguille spéciale de 0,5 mm. Parce que le diamètre de l'aiguille est très petit, les trous sont très petits et deviennent presque imperceptibles après seulement quelques heures. Parce que la majeure partie des follicules extraits est laissée dans la zone donneuse, ces parties des follicules sont capables de repousser. Avec cette technique, plus de 80% des unités folliculaires de la zone donneuse seront préservées et la même zone pourra être utilisée pour de futures greffes de cheveux. Dans la greffe de cellules souches, la zone receveuse est préparée avec une aiguille spéciale de seulement 0,5 mm, de la même taille que celle utilisée pour extraire les greffons. Avec des pinces microchirurgicales, les greffons sont implantés un par un. Les greffons s'intègrent parfaitement dans la zone receveuse et sont implantés très rapidement. La circulation sanguine est rétablie en une seule journée. Les minuscules blessures guérissent très rapidement, ne laissant aucune cicatrice. Aussi bien dans la zone donneuse où les cellules souches sont extraites, que dans la zone receveuse où les cellules souches sont implantées, les cellules produiront des nouveaux cheveux.